nous avons dit, nous recevons un coup de fil depuis hier. Le syndicat a reçu un coup de fil depuis hier qui a annoncé que le Premier ministre Joseph Jout a besoin de rencontrer avec nous. Et nous ne pouvons même dire tant qu'on est, qui l'heure, qui côté, rencontre ça capable de faire. Comme nous-mêmes, nous sommes responsables du syndicat, de pour une revendication qui est là, nous attendons, faut-il bien responsable au relou. Dans ce sens-là, nous saisissons hier après-midi, employés attendent nous, après nous, qui disent comme ça que le président de la République là, est confirmé pour nous et que nous prenons le syndicat EDH pour le rencontrer ensemble avec le Premier ministre Joseph Jout. Nous disons, nous prenons effectivement, nous disons tout employés là à 2 heures. À 2 heures, nous prenons le rencontrer ensemble avec le Premier ministre Jout. Nous étions très clairs dans la primature. Nous étions très clairs. Nous étions très clairs. Nous étions très clairs. Nous aurions les nous. Nous parlons tant de qui ça aurait dans Dzakoutio. Nous parlons tant de qui ça aurait dans Dzakoutio pour nous. Comme étant donné, revendication nous déjà dans la rue, tout le monde connaît. Et nous étions quoi que, côté crise à Rivière là, il faut qu'il aille très vite de façon à ce que la population jouine et râle ou souffle. Et jouer une possibilité courant de qualité que comme service que la population suppose maintenant pour les jeunes. En d'autres termes, nous disons très clairement, à 2 heures, responsable syndical, nous nous rencontrons avec le Premier ministre, sous l'ordre assurément président de la République, qui pour poser problème, une fois pour toutes, nous souhaiter pour des dénouements de la crise. Merci. Quel fou que message. Je dis à nous à plusieurs jours de mobilisation en EDH. Nous très clairement et que président ils ont une morale. Ça veut dire l'étendre la raison et ça fait tout le monde dire ça. Nous dit l'utiliser sagesse. Ça veut dire autrefois question était sur l'obédience ministère de la République là si c'est ministre Nader Joasseïs qu'il y a question ça il dépassait compétence Nader Joasseïs. Ça veut dire que le Premier ministre, nous pouvons rencontrer avec le Premier ministre, nous pouvons rencontrer avec le président de la République. Assurément, nous espérons, nous souhaitons à ce qu'il y ait un dénouement dans la crise. Nous ne croyons pas que le président va choisir une route de confrontation. Je vais me poser une question en pile fois, quand il y a des gens qui veulent camper, ils disent qu'ils ne veulent pas tel monde. Mm-hmm. Et puis, les gens qui rencontrent avec le syndicat, il y a des négociations qui sont faites, et pourtant, des gens qui sont Métropole. Métropole, vous constatez ça qui est là, dans le jour de janvier. Ensuite, le Cap, Gonaïve, Saint-Marc, en passant par Port-au-Prince, Jacques Mel, Petit Gouave, Les Cailles, jusqu'à Jérémy. Ça veut dire qui ça? Employeur dit qui ça veut dire? Trahis là! Ça veut dire, réponse ça, ou tu as supposé, comme nous avons dit, dans mes responsables syndicats, nous très clair là-dessus. Question employeur deal, toute belle rêve, tout ça président y a comme projet qui accepte nous répondre favorablement, qui pour permettre une quantité de mégawatts qui disponible pour servir la population, nous comptons, tendez et nous prêts pour nous accepter, pour nous marcher dans le pour nous battre au back-up pour tout nos réalité. Mais quant à M. le président, employeur dit, nous. Donc nous, par rapport à la déclaration que le président fait pendant le week-end, est-ce que nous-mêmes nous d'accord pour marcher dans la logique là? Qui logique? Logique quand elle dit que vous pouvez réhabiliter le réseau, il y a 190 MW pour nous pouvoir disponible tout ça. Non mais c'est une belle nouvelle, c'est bien ça, on accueille favorablement nous tout ça. Ça veut dire que depuis que l'argent qui est disponible, il y a des prêts qu'elle va faire au niveau de l'État. Non, son président de la République qui parlait. Ça veut dire jusqu'à près du contraire, le président quand il y a un rêve, ça, côté que l'idée côté la bienne des prêts, il dit au niveau automatiquement comme dans l'État, au niveau coût supérieur des comptes, question qu'on traîne, automatiquement. Accord de prêt à lui passer, lui jouer un avis pour se rendre compte. En 90 jours, du côté du mois de novembre, si à partir du 1er août, ça a tourné en réalité, à partir de novembre, son question capte en réalité. Nous sommes très satisfaits, contents pour nous faire ça parce qu'une fois pour toutes, pays, la population haïtienne, nous-mêmes au niveau d'employés de DDH, au niveau syndicat, nous battons bravo à ce que nous parlons correct l'idée ça qui pour permettre pour la population une satisfaction par rapport à Blackout avec Junior Dia. Pour qui ça va aller, monsieur là-même? Pour tout ça, le fait déjà. Non, il faut nous dire directement. Mais pour qui ça fait nous parler, monsieur le président?
Premièrement, le passage silence. Premièrement, le passage, monsieur présumé, dans le téléco, nous connaissons qui salte fait de mettre un paquet, maman petite à papa petite dehors. Côté que Jodia, petit yo pas à l'école, pas à l'université. Il passe là en série d'Haïti, il fait même bagarre là. Il passe là en minoterie d'Haïti, il fait même bagarre là. Et en plus, mais non, monsieur présumé, cité 26 fois dans le rapport Petro-Caribé. Et n'a dit. Et n'a dit ça. Si toutefois que monsieur présumé t'a besoin de venir diriger EDH, il faut répondre à la question de la justice avant que pour t'a venir directeur général. Syndicat EDH pour aller rencontrer ensemble avec le Premier ministre Joseph Jout. Nous disons nous prêts, effectivement, nous disons tout employé là à 2h. À 2h, nous pour aller rencontrer ensemble avec le Premier ministre Jout. Nous étions très clairs dans la primature. Nous étions très clairs. Nous pouvons attendre qui ça aurait dans Dzakoutio. Pour nous. Comme étant donné, revendications nous déjà dans la rue. Tout le monde connaît et nous étions quoi que côté crise arrivé à là, il faut qu'il aille très vite de façon à ce que la population joue et râle un souffle et joue une possibilité courant de qualité que comme service que la population suppose maintenant pour les jeunes. En d'autres termes, nous disons très clairement à 2h, responsable syndical, nous nous rencontrons avec le Premier ministre sous l'aide assurément du président de la République qui pour poser ce problème une fois pour toutes nous souhaiter pour qu'il y ait un dénouement de la crise. Merci. Et qu'est-ce que je message? Je dis à nous à plusieurs jours de mobilisation de l'EDH. Nous très clairement et que le président, ils ont une morale. Ça veut dire qu'il tendait la raison. Et ça fait tout le monde dire ça. Nous disons l'utiliser sagesse. Ça veut dire, autrefois, question était sur l'obédience. Ministre de la République, là, c'est le ministre Nader Joaceïs. Qu'il y a question ça lui dépasser compétence Nader Joaceïs. Ça veut dire que le Premier ministre, nous pouvons rencontrer avec le Premier ministre, nous pouvons rencontrer avec le président de la République. Assurément, nous espérer, nous souhaiter à ce qu'il y ait un dénouement dans la crise là. Nous ne croyons pas que. Président pour choisir route confrontation. Je me pose une question en pile fois quand il y a des gens qui le veulent camper. Yo dit que yo pas veulent tel monde. Et puis les allant rencontre avec syndicat, il y a négociation qui fait et pourtant des monde qui fait. Métropole. Vous constatez ça qui là dans le janvier. Ensuite, le Cap, Gonaïve, Saint-Marc. En passant par rapport au prince, Jacques Mel, Petit Gouave, Lecaille, jusqu'à Jérémy. Ça veut dire qui ça? Employeur dit qui ça veut dire? Trahi là! Ça veut dire, réponse ça, ou t'as supposé, comme nous nous dit, dans mes responsables syndicats, nous très clair là-dessus. Question, employeur dit, tout bel rêve, tout ça président y a comme projet, qu'on accepte nous répondre favorablement, qui pour permettre. Il y a une quantité de mégawatts qui disponible pour servir la population, nous comptons, tendez et nous prêts pour nous accepter, pour nous marcher dans le logique, pour nous battre au back-up, pour tourner en réalité. Mais quant à M. le Président, l'employeur dit. Et par rapport à la déclaration que le président fait pendant le week-end, est-ce que nous-mêmes nous d'accord pour marcher dans la logique là? Qui logique? Logique quand elle dit que vous pouvez réhabiliter le réseau, il y a 190 MW pour nous être disponible, tout ça. Non mais c'est une belle nouvelle, c'est bien ça, on accueille favorablement nous tout ça. Ça veut dire que depuis qu'il y a l'argent qui est disponible, il y a des prêts qu'elle peut faire au niveau de l'État. Non, son président de la République qui parlait. Ça veut dire jusqu'à après du contraire, le président quand il y a un rêve, ça, côté qu'il y a côté la bonne des prêts, il dit. Au niveau automatiquement, comme dans l'État, au niveau coût supérieur de compte, question qu'on traîne automatiquement, accord de prêt à lui passer, lui joindre avis coût supérieur de compte. En 90 jours, du côté du mois de novembre, si à partir du 1er août, ça tourne en réalité, à partir de
novembre, c'est une question qui a tourné en réalité. Nous sommes très satisfaits, nous sommes contents pour nous bailler ça parce qu'une fois pour toutes, pays, la population haïtienne, nous même au niveau de l'employé de DDH, au niveau syndicat, nous battons bravo à ce que nous parlons corriger l'idée de ça qui pour permettre pour la population une satisfaction par rapport à Blackout la vie journée. Pour qui ça va les monsieur là même? Pour tout ça le fait déjà. Non, il faut nous dire directement. Mais pour qui ça fait nous parler, monsieur Présumé? Premièrement, dans le passage, monsieur Présumé, dans Téléco, nous connaissons qui ça le fait de mettre un paquet, maman petite à papa petite dehors. Côté que Jodia, petite, tu n'as pas à l'école, tu n'as pas à l'université. Il passe dans la série d'Haïti, il fait même bagarre là. Il passe dans la minorité d'Haïti, il fait même bagarre là. Et en plus, nous, monsieur Présumé, cité 26 fois dans le rapport Petro-Caribé. Et nous avons dit, Et n'a dit ça. Si toutefois que monsieur présumé t'a besoin de venir diriger EDH, il faut la répondre question la justice avant que pour t'a venir directeur général. Toutes les informations, les actualités politiques, culturelles et religieuses sur Tichèze Balakai. Abonnez-vous à nous sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube afin de trouver toutes les informations palpitantes au cœur. Tichèze Balakai.